Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1, pour faire le débrief des essais de pré-saison. On devait faire une présentation des équipes, mais on n'a jamais eu le temps de la faire, tout simplement, entre les problèmes d'Internet, les problèmes d'emploi du temps. On n'a jamais réussi à faire les présentations de la saison. Donc on va faire un débrief de ces essais de précédents. Ça va permettre de parler des changements de pilote, de permettre de certains changements d'éléments au niveau de la réglementation. Mais surtout, on va parler de ces essais de précédents. On va voir un petit peu qui s'en est bien sorti, qui a eu un peu plus de mal sur ces essais de pré-saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans ces essais de pré-saison, qui vous inquiète plutôt et qui vous réconforte, on va dire, qui vous pensez qu'il sera très performant. Et puis, n'hésitez pas, quand vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0, ça c'est sur Spotify. TikTok également il y a des vidéos notamment pendant les qualifications de courses, juste après les courses cyclistes par exemple. Quand j'ai le temps, j'aime bien faire de temps en temps des TikTok de 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes dans ces eaux-là, pour vous résumer un petit peu de ce que j'ai vu avant que ça arrive, bien entendu, sur YouTube, parce qu'il y a toujours un délai vu ma connexion de merde. Je rappelle que les essais de pré-saison, il faut faire très attention avec les essais de pré-saison, avec ce qu'on voit sur les essais de pré-saison. Vous avez des équipes qui ne sont jamais très rapides sur les essais de pré-saison, et des équipes qui aiment bien se montrer. Ça déjà, c'est à prendre en compte. On peut cacher son jeu sur les essais de pré-saison de plusieurs manières, en mettant beaucoup d'essence, en mettant des pneus usés, en mettant pas son DRS, en modifiant les maps moteurs, en mettant des maps moteurs où on dégrade assez peu le moteur au final, où on a moins de puissance, en essayant de limiter le rythme, voilà, par plein de manières, en n'utilisant pas les pneus les plus rapides. Il y a plein de manières pour cacher son jeu, il y a plein de manières également pour se montrer. Mettre peu d'essence dans la voiture, faire croire qu'on fait des simulations de course alors qu'on ne fait pas des simulations de course. Il y a plein d'éléments qui permettent de cacher son jeu et qui permettent donc de brouiller les pistes. Donc il faut se méfier avec ce que je vais dire. Ce que je vais dire n'est pas une assurance de ce qui va se passer lors du premier Grand Prix. Et c'est absolument pas une assurance de ce qui va se passer pour le reste de la saison. Déjà, comme je l'ai dit, on peut cacher son jeu. Moi, je rappelle toujours l'exemple de Honda, une année, qui avait décidé de se montrer, de montrer son niveau de performance pour garder le moteur Honda. Prost l'a fait aussi, à une époque, de montrer qu'ils étaient ultra performants. À l'inverse, l'année dernière, par exemple, McLaren était nulle part lors des essais de Bahreïn et ils finissent quand même 5e du championnat du monde constructeur. Donc, il faut vraiment relativiser sur ces essais. Surtout qu'on n'a eu que 3 jours d'essais, c'était très court. Donc, n'importe quel problème technique a fait prendre beaucoup de retard au niveau des essais de pré-saison. Moi, je trouve que c'est même une erreur d'avoir que 3 jours d'essais de pré-saison. C'est très court, surtout pour les nouveaux pilotes. C'est pas suffisant pour vraiment prendre en main une Formule 1. Qu'on a quand même dû faire des essais sur d'autres pistes. Alors, on a fait des essais, notamment des check-downs, mais on a fait également des essais avec des voitures des années précédentes. Beaucoup d'équipes cette année ont décidé de faire des essais avec les voitures des années précédentes pour être sûr d'être dans le rythme dès le début des essais de pré-saison, parce qu'on ne pouvait pas attendre on va dire une demi-journée pour se mettre dans le rythme avec l'équipe technique. On n'avait pas le temps. Ça veut dire également que les équipes qui sont parties d'un mauvais pied ou ce genre de choses, c'est difficile de le savoir en 3 jours. Donc c'est trop court, et en plus on rajoute le fait que Bahreïn est une piste atypique, c'est absolument pas représentatif du reste de la saison. Tout d'abord, c'est une piste d'accélération-freinage. C'est pas une piste où vous avez besoin d'énormément d'appui aérodynamique. C'est une piste de moteur, Bahreïn. C'est une piste de moteur parce que voilà, il y a beaucoup de réaccélération. Tous les bons moteurs ont toujours performé à Bahreïn. C'est une piste où on a des températures au niveau des pneus qui ne correspondent pas à ce qu'on aura sur le reste de la saison. Là, on a des températures qui vont être très très élevées. On dépasse souvent l'après-midi plus de 50 degrés piste. Donc c'est compliqué, et c'est même pas les températures qu'on aura lors du Grand Prix non plus. Donc ça peut donner des grosses surprises. Encore une fois, le cas McLaren l'année dernière, ils étaient nulle part. Après les essais à Bahreïn, ils finissent quand même 5e du championnat du monde des constructeurs. On va faire un point équipe par équipe.
Dans cette vidéo, on va parler, on va dire, des équipes les unes après les autres. Je commence avec Red Bull. Red Bull s'en est plutôt bien sorti, déjà parce que Verstappen a été plutôt performant, notamment avec une 31-6 pour Verstappen. Alors on a l'impression comme ça que c'est pas exceptionnel, sauf qu'il l'a fait dans des conditions qui étaient vraiment pas idéales. Et Sergio Perez fait le meilleur temps avec des pneus C4, donc en 1:30-305, c'est le meilleur temps de ces trois jours. Donc c'est plutôt très intéressant de la part de Red Bull, surtout du côté de Red Bull. On a fait énormément, on a fait quand même pas mal de kilomètres, hein, 2235 kilomètres pour Red Bull. La voiture a l'air d'être performante, pas de soucis techniques, que ça soit chez Honda, mais également chez Red Bull. Pas de soucis de réglage, des temps qui ont plutôt été très performants de la part de Red Bull. Un Verstappen qui a l'air d'être plutôt à l'aise dans la voiture, même s'il a du mal avec les nouveaux pneus avant. Pirelli a changé la composition de ses pneus avant pour éviter le sous-virage. Le problème, c'est qu'ils évitent tellement le sous-virage que maintenant les voitures sont très très survireuses. Et il semblerait que ça pose un problème, notamment à Verstappen, plus à Verstappen qu'à Perez. Il y a quelques pilotes comme ça qui s'emmerdaient avec le survirage un peu plus prononcé, parce que les pneus sont plus résistants à la dégradation sur l'avant. Donc ça change un petit peu les choses. Du côté de Red Bull, pas d'inquiétude, hein. On sera présent en début de saison. Voilà, ils se sont montrés parce que Red Bull aime bien se montrer, mais ils seront là en début de saison, Red Bull. Tout simplement parce que le règlement 2023, c'est une évolution du règlement 2022. Il n'y a pas de gros changement sur ce règlement 2023. Donc, ce qui fait que voilà, ça ne pose pas de soucis pour Red Bull qui dominait déjà l'année dernière. La question Red Bull, c'est pas trop de savoir est-ce qu'ils vont dominer en début de saison, c'est de savoir est-ce qu'ils vont tenir la cadence jusqu'en fin de saison. Pourquoi ? Je m'explique. Red Bull a déjà moins de temps de soufflerie que ses adversaires du fait qu'ils aient été champions du monde. Ils partent avec un déficit. Ils partent avec seulement 70% de temps de soufflerie. C'est moins que Ferrari, c'est moins que tous leurs adversaires. Mais surtout, cet écart-là s'agrandit à cause des pénalités dues au dépassement du budget capé. Ce qui fait qu'en fait, je crois qu'ils partent avec seulement 64% de temps de soufflerie par rapport à leurs adversaires. Et c'est plus sur la capacité de faire évoluer la voiture que ça va gêner, ce temps de soufflerie au moins. Parce que là, ils ont pu utiliser la soufflerie autant que leurs adversaires, ils ne sont pas limités. Sauf qu'en cours de saison, il va falloir se limiter en temps de soufflerie. Et c'est là où, du côté de Red Bull, on peut avoir du mal à faire travailler correctement les évolutions, qu'on pourrait avoir des problèmes au niveau des évolutions. Et puis il va falloir voir également le relationnel avec Honda, vu qu'il va y avoir l'arrivée de Ford très rapidement chez Red Bull, hein. Ford va revenir en Formule 1 avec Red Bull, voir la situation que ça va poser avec Honda. Est-ce que Honda travaillera parfaitement sur ce moteur ou se projettera déjà sur 2026 avec un nouveau partenaire, ou est-ce que Honda aura un nouveau partenaire en Formule 1? Ça, c'est des questions qu'on peut encore se poser. Mais Red Bull, là, sur ce début de saison, ça s'est plutôt très très bien passé. On poursuit avec Ferrari. Du côté de chez Ferrari, on a une voiture qui a l'air d'être plutôt assez vive. Alors surtout le premier jour, c'est vrai que ça s'est un peu calmé ensuite, mais la voiture était très très vive. Vraiment le premier jour, on avait du mal. Ils avaient beaucoup de mal à la placer correctement en virage. Après, ça s'est un peu calmé ensuite. Carlos Sainz a fait 218 tours et Charles Leclerc en a fait 199. Donc, c'est plutôt une bonne moyenne, hein, du côté des équipes. Ferrari fait partie des équipes qui ont bien roulé. Hein, 417 tours, c'est plus que Red Bull. Alors, il y a 4 tours d'écart par rapport à Red Bull. Mais c'est plus, par exemple, que Mercedes. C'est plus que Alpine. Par exemple, en termes de nombre de tours, c'est plutôt pas mal, hein, le programme qu'a fait Ferrari. Alors le seul souci, c'est qu'il y a eu un petit souci moteur chez Sauber, mais ils ont aligné les tours, ils ont fait juste 300 tours de moins que Mercedes, mais en sachant que Mercedes a une équipe de plus que Ferrari. Donc ils ont bien tourné en piste, ils ont fait de nombreux kilomètres là aussi. Et puis du côté de chez Ferrari, ben, on a fait plutôt des bons chronos, hein, Charles Leclerc, quatrième temps de ces sessions, et puis Carlos Sainz, cinquième temps avec les pneus C4, 1:31.024, 1:31.036. Alors certains diraient que c'est quand même à une seconde de Sergio Perez, certes,
mais c'est devant Max Verstappen. Alors certes, avec des pneus différents, Verstappen était en C3 quand eux étaient en C4. Mais il semblerait qu'il n'y a pas d'inquiétude du côté de chez Ferrari. Des changements chez Ferrari, l'arrivée de Fred Vasseur. Non, pas, n'a pas parlé pardon, sur la chaîne, mais c'est vrai que Fred Vasseur qui arrive dans l'équipe, c'est très important. Et puis, également, du côté de chez Ferrari, des changements en interne, notamment des changements avec le spécialiste en stratégie qui a changé. Et ça, c'est une bonne chose parce que les stratégies de Ferrari l'année dernière, c'était un gros problème. Il y a quelques changements en interne, même si Fred Vasseur n'a pas... fait une révolution en interne chez Ferrari. Il y a quand même eu des changements, notamment chez certains éléments qui n'avaient pas été très performants l'année dernière autour de Ferrari. Mercedes. Il y a du rythme chez Mercedes. Déjà, Toto Wolff était content. La voiture n'a plus de pompage. Et ça, ça va être un vrai avantage. La voiture est beaucoup plus facile à piloter. Et ça sent, Lewis Hamilton, le dernier jour, il fait une 36-164. Il est qu'à 3 dixièmes. C'est le deuxième meilleur temps de cette session. Il semblerait que George Russell lui ait eu un peu plus de mal. Une 31-4 en termes de chrono. Alors, c'est quand même devant le temps de Verstappen. Mais c'est seulement 2 dixièmes devant le temps de Verstappen. Alors que Verstappen avait des pneus moins rapides que les pneus de George Russell. Il y a eu également un souci de boîte de vitesse. Ça leur a fait perdre une soirée, hein, une fin de soirée. Donc il y a eu quand même quelques petits soucis du côté de Mercedes. Mais enfin, on a réglé le problème de pompage, c'est-à-dire que la base de la voiture est saine. Et ça, c'est vraiment un véritable avantage. Et puis chez Mercedes, on a fait que 398 tours. C'est-à-dire, c'est 15 tours de moins que Red Bull, c'est 20 tours de moins que Ferrari. Donc voilà, on est plutôt dans la moyenne basse au niveau des tours en piste du côté de Mercedes. Hein, on est 7e au niveau du nombre de tours en piste. Donc ça, ce qui est un petit peu moins bien du côté de Mercedes, mais la voiture semble beaucoup plus stable, la voiture semble beaucoup plus facile à utiliser, ce qui était le vrai souci de la Mercedes. Après, il faudra voir au niveau du moteur, s'ils ont réduit la traînée aéro, ce qui était leur véritable problème l'année dernière, et est-ce que du côté de chez Mercedes, on arrivera même à être un peu plus rapide que les adversaires ? Ça, ça sera une grande question, mais l'avantage pour Mercedes, c'est que contrairement à Red Bull, qui a perdu du temps de soufflerie, eux, ils ont gagné un petit peu par rapport aux années précédentes, par rapport à ce qui était prévu peut-être l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'avec du temps de soufflerie en plus, ça va leur permettre de travailler un peu mieux, surtout sur les évolutions, encore une fois. On poursuit avec Alpine. Alors Alpine, difficile de savoir où on en est chez Alpine. Pierre Gasly n'a pas fait un grand chrono. Esteban Ocon, c'est le moins bon chrono de toutes les sessions. Une 33-257. Pierre Gasly, il est 5 dixièmes mieux, plus rapide, une 32-762. En fait, à Pierre Gasly, il y a juste Albon et Piastri qui ont fait un moins bon chrono. Mais ils ont fait leur chrono en C3. C'est-à-dire pareil que Verstappen. Et quand on compare à Verstappen, on est à une seconde d'écart. On pourrait dire, c'est encore beaucoup, pardon, une seconde d'écart. Oui, mais est-ce que Alpine n'a pas caché son jeu ? Alpine fait rarement des grandes phases de session d'essai. C'est-à-dire que chez Alpine, ces dernières années, ils sont plutôt en retrait lors des essais de pré-saison de l'année dernière. Alors, ils n'étaient pas autant en retrait, hein, mais ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Du côté de chez Alpine, alors autant Ocon, on sait qu'il est très bon en communication, donc les propos d'Ocon, j'ai tendance à pas trop les écouter sur les essais de pré-saison. Autant Pierre Gasly, c'est pas forcément le mec qui sait le mieux cacher son jeu. Pierre Gasly, et je trouve qu'il n'était pas très inquiet, Pierre Gasly. Donc ça, c'est plutôt rassurant, même s'il faut toujours prendre avec des pincettes les propos hein, des essais de pré-saison. On essaie toujours de dire qu'on a la meilleure voiture. Parfois, on sait qu'on a des surprises. Mais Pierre Gasly disait « La voiture est facile d'utilisation. Je me suis jamais senti aussi bien dans une voiture dès le départ. » Donc ça, c'est plutôt intéressant, les propos de Pierre Gasly. Mais en même temps, on n'a pas été très rapide et puis surtout, on n'a pas beaucoup roulé. Alors du côté de chez Alpine, seulement 353 tours, hein, c'est l'avant-dernière équipe en termes de temps de roulage. C'est quand même 400 km de moins hein, que Ferrari, quasiment. Donc c'est 300 km pardon, de moins que Ferrari, donc c'est quasiment un grand prix de moins de la part d'Alpine. C'est 500 km de moins qu'AlphaTauri, qui a fait les essais les plus prolifiques en termes de tours. Donc, c'est pas fou du côté d'Alpine de ce côté-là, avec des temps
pas fantastique. Par contre, pas de problème technique de la part d'Alpine, mais on a énormément travaillé sur les réglages de suspension, notamment des suspensions arrière. Alors, est-ce qu'on n'est pas venu avec les bons réglages au départ? Est-ce qu'on avait des soucis pour trouver les bons réglages du côté de chez Alpine? Ou est-ce que tout simplement, c'était prévu qu'on ne roule pas énormément lors de ces essais de pré-saison, qu'on cache son jeu? Eh bien, ça, on le saura lors du premier Grand Prix. On poursuit avec McLaren, équipe qui a le moins roulé sur ces essais de pré-saison. McLaren, hein, seulement 312 tours, 1688 km, c'est 250 km de moins qu'Alpine. Ça veut dire que c'est quasiment 800 km de moins qu'Alpha Tauri, qui a fait le plus de kilomètres. Du côté de McLaren, des gros soucis, notamment au niveau de l'aileron avant. La pièce est trop fragile pour le moment. Alors, il semblerait qu'on ait réglé le problème en interne, mais que la pièce n'arrivera pas avant le premier Grand Prix. Donc, on a tenté de solidifier avec des scotch, avec plein de systèmes. Mais on a l'impression, surtout, qu'on n'a pas beaucoup de moyens chez McLaren et que c'était un petit peu du bricolage, ces essais de pré-saison. Ça m'a rappelé la dernière année de Patrick Head chez Williams, où la voiture n'était pas conforme, la voiture de Williams. Vous vous souvenez, il y avait cette fameuse règle, il fallait avoir que deux pièces de suspension reliées à la voiture, et eux, ils en avaient trois. Les rétroviseurs également, qui étaient mis sur le halo, alors que c'était interdit à l'époque. Et bien, du côté de chez McLaren, j'ai eu la même impression. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression qu'on n'était pas prêt, en fait, pour ces essais de pré-saison, qu'on n'était vraiment pas dans le coup, et vraiment très peu de tours, et surtout, pas beaucoup de vitesse, hein, Piastri. Juste derrière Pierre Gasly au niveau des chronos, et Lando Norris, pas beaucoup plus rapide, hein, Piastri, pardon, juste au-dessus d'Esteban Ocon, et Lando Norris, entre Drugovic et Nick De Vries, donc pas fantastique. Alors, Lando Norris, il a roulé avec les C3, Oscar Piastri a aussi roulé avec les C3, donc c'est un petit peu comme chez Alpine, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dingue en termes de performance. Et puis il semblerait, alors ça c'est toujours les rumeurs de paddock, faut toujours se méfier, surtout quand elles viennent de la presse britannique, mais il semblerait que Lando Norris était très très mécontent de ses essais de pré-saison, qu'il aurait même tapé violemment dans un mur. Alors je serais assez surpris, parce que j'ai pas l'impression que Lando Norris soit le mec le plus colérique du paddock, mais bon, on voit bien quand même que il y a des soucis chez McLaren, qu'on a du mal à les cacher. Le départ d'Andreas Seidel également, le fait de ne pas s'être allié avec Audi. Il y a eu beaucoup de soucis du côté de chez McLaren. Et une intersaison pas très stable du côté de chez McLaren. On poursuit avec Aston Martin. Aston Martin, alors sans Lance Stroll, qui s'est pété le bras. On pense qu'il ne fera pas le premier Grand Prix, Lance Stroll. Donc, ce qui fait que moi, je m'attendais à ce que ça soit Alonso tout seul qui fasse ses essais. Ce qui s'était passé notamment l'année dernière avec Ricciardo, qui n'avait pas pris part aux essais de Bahreïn chez McLaren. C'était Lando Norris qui avait fait les trois journées à Bahreïn. Donc, moi, je me disais, on va peut-être utiliser Drugovic sur une demi-journée, peut-être qu'il fera le déverminage Drugovic, mais que le reste du temps ça sera Alonso dans la voiture. Eh bien non, on s'est partagé la voiture entre Drugovic et Alonso. J'étais assez surpris parce que Drugovic, en termes de retour technique, c'est quand même un pilote qui ne connaît pas grand chose pour le moment à la Formule 1. Alors certes, il a été champion de F2, mais en Formule 1, il n'a pas de comparatif important, surtout qu'il n'était pas dans une académie de jeunes pilotes, donc il n'a pas fait beaucoup d'essais, de sessions d'essais de jeunes pilotes en Formule 1. Donc c'était un petit peu une question qu'on pouvait se poser du côté d'Aston Martin en termes de performance. Drugovic, il a fait 1.32.075. Fernando Alonso a fait 1.31.4. 6 dixièmes hein, plutôt d'écart entre les deux. C'est, je dirais, plutôt correct pour quelqu'un qui a peu d'expérience comme Drugovic en Formule 1, avec un Fernando Alonso qui s'est vanté que l'Aston Martin était plus rapide que Ferrari au niveau de la simulation de course qu'ils ont réalisée samedi soir. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, vu que du côté de chez Aston Martin, le dernier relais, on est reparti avec peu d'essence, alors que du côté de la Ferrari, on était reparti avec beaucoup d'essence sur le dernier relais. On avait remis de l'essence dans la voiture au niveau de la simulation, donc il faut, on va dire, un peu contredire ce qu'a dit Fernando Alonso. Par contre, sur le premier relais, vraiment, les deux voitures étaient assez proches. Il semblerait également que l'Alpine soit rapide selon les data GPS, selon les équipes. Donc voilà, on est, c'est toujours un peu le jeu du chat et la souris hein, des essais de pré-saison. Alors par contre, du côté d'Aston Martin, on a perdu un petit peu de temps le premier jour avec les soucis techniques qui sont apparus sur la voiture de Drugovic au bout de 4 virages.
Donc ce qui fait qu'on a tourné un peu moins, notamment que Mercedes, hein, 387 tours, c'est la 8e équipe au niveau du nombre de kilomètres effectués, 2094 kilomètres. C'est 400 km de moins, un peu moins de 400 km de moins qu'AlphaTauri. Il y a un grand prix d'écart avec AlphaTauri et Williams. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte du côté d'Aston Martin. On poursuit avec... pardon, petit chat dans la gorge. Avec Alfa Romeo, 402 km de parcouru pour l'équipe de Bottas. Là aussi, un problème moteur hein, du côté de Alfa Romeo qui a fait perdre un petit peu de temps. Des gros changements chez Sauber. L'arrivée de Audi, l'arrivée d'Andreas Seidel. Ça fait pas mal de changements à gérer du côté de Sauber. Mais Alfa Romeo s'en est plutôt bien sorti sur ses essais de pré-saison. J'ai l'impression qu'ils ont l'air d'être un peu plus rapides que Williams et AlphaTauri. Et voire même que Haas du côté des équipes. On va dire de fond de classement du côté de la deuxième moitié de classement avec un Valtteri Bottas qui a fait 1.38.127 troisième temps et un Zhou qui a fait 1.31.610 donc dans le milieu de paquet hein, pour Zhou. Après on sait que faut se méfier du temps de Bottas parce que c'est une équipe qui a plutôt tendance à aussi faire des gros essais de pré-saison. On se souvient une année Raikkonen avait été meilleur temps d'une session d'une journée d'essai, donc faut se méfier hein, du côté d'Alfa Romeo. On aime bien se montrer aux avant-postes lors des essais de pré-saison, donc faut faire attention de ce côté-là au niveau performance. Je pas grand chose d'autre à dire sur Alfa Romeo, pareil sur Haas. Quatrième équipe en termes de nombre de kilomètres parcourus, 2245 kilomètres, c'est plus que Red Bull. C'est plus que Mercedes du côté de Haas, deux pilotes d'expérience désormais dans la voiture avec Hülkenberg et avec Magnussen. Ça a plutôt bien roulé. Voilà, les deux ont plutôt bien roulé. Alors Hülkenberg a fait 196 tours. Et du côté de Magnussen, il en a fait 219. Hein, il fait partie du top 5 des pilotes qui ont le plus roulé. En termes de chrono, Hülkenberg est juste devant Logan Sargeant avec un 1.32.466. Alors que Kevin Magnussen a fait 1.31.3. Ce qui fait quand même une seconde d'écart hein, entre les deux pilotes. Bon, ça a été fait dans des conditions différentes, dans des journées différentes entre les deux pilotes. Faudra voir du côté de la Haas, ça a l'air d'être plutôt stable. Après, c'est une équipe qui sait plutôt faire des bonnes voitures de début de saison. Le problème de Haas, c'est que souvent, ils ont du mal à faire évoluer leur voiture en cours de saison. L'année dernière, Magnussen avait fini 5e. Bah, pourquoi pas viser le podium sur ce premier Grand Prix de la saison pour Kevin Magnussen. Il fait partie de ces pilotes qui ont plutôt fait une campagne de session de début de pré-saison plutôt intéressante du côté de Magnussen. Je poursuis. Qui on n'a pas fait encore ? Eh bien, on n'a pas fait AlphaTauri. 456 tours de parcouru pour 2467 km. Ils ont fait énormément de kilomètres, AlphaTauri. Ils ont roulé. Ils ont limé vraiment le bitume. Pas forcément des très gros chronos pendant toutes les sessions. Mais Nyck de Vries a été le deuxième pilote qui a le parcouru le plus de kilomètres. 246 km, c'est juste derrière Fernando Alonso avec 270 tours. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, du côté de Tsunoda, on a fait 210 tours. Au niveau des chronos, De Vries est déjà un peu... Enfin, dans les chronos de Tsunoda. Hein. C'est-à-dire que Tsunoda, en meilleur chrono, a fait 1.31.2. De Vries a fait 1.32.2. Et les chronos étaient assez similaires entre les deux pilotes. Par contre, souvent, ils étaient assez loin au niveau des sessions. À part le dernier jour, hein, c'est vraiment le dernier jour où ils ont amélioré leur chrono parce que sur les journées 1 et journée 2, ils étaient très loin en termes de performance. Donc même s'ils ont roulé énormément, je suis un petit peu inquiet sur leur niveau de performance du côté d'AlphaTauri. Et puis je termine avec Williams. Du côté de Williams, on a également beaucoup roulé. Hein, Logan Sargeant, 229 tours, c'est le troisième pilote qui a le plus tourné en piste. Alex Albon, 210 tours, donc pareil que Tsunoda. Deuxième équipe qui a fait le plus de kilomètres hein, du côté de Williams. Là aussi, hein, en termes de performance, Alex Albon, troisième temps en partant de la fin, avec un 1.32.793. C'est le pilote qui a roulé le moins vite
avec des C5. Et pareil pour Logan Sargeant, donc un petit peu inquiet du côté de chez Williams en termes de rythme. Après, chez Williams, beaucoup d'évolution dans l'équipe avec pas mal de départs et l'arrivée d'un membre de l'équipe de Mercedes à la tête de cette formation. Donc voilà, il y a des choses à modifier chez Williams. Il y a encore pas mal de travail à faire pour retrouver le top niveau du côté de chez Williams. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les essais de pré-saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Cette année, on essaiera de faire beaucoup plus de vidéos sur de présentations de Grand Prix. On fera bien entendu les débriefs de chaque Grand Prix de la saison. Enfin, on essayera, à part quand le calendrier est vraiment surchargé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire. Puis nous, on se retrouve dans de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!